Salut la VOD. Subnauticus ou le zéro. On s'était fait plein de trucs la dernière fois. Voilà, je baisse. Ah voilà, je voyais rien du tout. Coucou la VOD. Ouais, j'ai pas mis le chat. Un peu la flemme, j'avoue. Mais on vous dit coucou. Ouais, une control room, ouais, c'est ça que je ferais. Pourquoi pour la faire? Je sais plus où c'est. Oh, je suis bonne à rien aujourd'hui. J'aime peu plou. La salle de contrôle. C'est pas là. C'est là. Oh, ça va, c'est facile à faire. Je ferai ça en revenant. Je me suis crafté plein de trucs. J'ai une base. Est-ce que j'avais montré la base? Oui, je pense. Je m'en rappelle déjà plus. Pardon. Je me rappelle déjà plus si j'avais montré la base. Mais oui, en tout cas, j'ai une base. J'ai plein de trucs, c'est cool. Et je me suis améliorée. Normalement, on peut aller plus en profondeur. Et du coup, je vais pouvoir enfin aller explorer les coins où je galérais. La dernière fois. Donc on n'était pas. On est présent dans notre cœur. Exactement. Du pilote, voilà, c'était là où je voulais aller. J'avais pu un peu explorer, mais j'avais pas réussi à avancer. On a aussi des endroits où Alan, des endroits qu'Alan nous a marqués pour trouver des artefacts d'architectes, conteneurs de corps. Mais j'aimerais beaucoup explorer d'abord ça parce que c'est le point que j'ai depuis longtemps. Donc c'est y part. Est-ce que j'ai pris de la bouffe et de la flotte? Pas beaucoup, je crois. Si, j'ai de la flotte, mais pas beaucoup de bouffe. Et sinon, faudrait que j'explore un peu l'extérieur aussi, mais il y avait un endroit où j'avais pas ce qu'il fallait pour ma combi, j'avais trop froid. J'avais trop froid pour l'explorer. Je pensais que c'était un... Ah oui, il y a ça aussi qu'il faudrait que je me fasse. Ah oui, c'est ça que je voulais me faire, Mais il fallait que je trouve... Je sais plus quoi. Oh, je vais plonger. Je voulais me faire aussi une centrale thermique. Mais ça, j'ai pas encore pu. Je me ferai ça plus tard. Je sais plus quel matos il me manquait. Mais c'était un des objectifs. Et aux flottes, il y a moyen de faire quelque chose, non? Bah oui, mais c'est comme dans la mer. Hein. C'est pas de l'eau... C'est pas de l'eau potable, quoi. Est-ce que je vais là-bas d'abord? J'hésite. On peut... C'est pas si surnaturel de mourir de soif en pleine mer. Oh la baleine! Elle est trop belle! Ah la magnétite, merci. Ça, j'ai toujours pas trouvé de magnétite. Ah mais je savais pas comment atteindre cet endroit, ça m'avait saoulé. Oui, je vais aller maintenant. Ça m'avait trop saoulé la dernière fois. Je vais aller à l'endroit, à la dernière position connue du pilote. Bah j'y suis. J'y suis, il fallait que je plonge. Peut-être que je trouverai l'artefact en même temps. Fallait que je retrouve le pilote, mais pour ça fallait plonger de ouf. J'ai un peu oublié où. Parce que c'était... Il y a plus ou moins une semaine que j'ai joué, donc j'ai un peu zappé. J'ai un peu oublié. Dans vous. Ah bah je vais là mais ça m'aide pas tant que ça. Ok, c'est pas grave, j'apprends. Nickel. Ah, c'est par là. Je me cogne tellement. Je suis à combien? Je suis à 77, ça va.
Mais j'ai pas retrouvé le pilote. Bah comme ça, je vais voir si je trouve l'artefact, cela dit, ce sera bien. Je peux aller... Ah oui, c'est ça. Je peux aller jusqu'à 650 mètres de profondeur. Ça va beaucoup me changer la life. C'était trop galère. J'adore l'ambiance, ouais. Moi aussi. Très très fan. Ça, j'en avais ramassé, je crois. Je me suis vidé l'inventaire, donc je pourrais ramasser des queutrues. Ah oui, j'ai ramassé du nickel la dernière fois. Oh non, F. C'est du quartz. Bon, bon, bon. Alors, non, 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 laisse-moi tranquille. J'aimerais bien ramasser mon vaisseau. Ramasser, réparer. Et le prendre, le ramasser aussi, parce que je vais m'en servir de toute façon. Non, mais laisse-moi tranquille. Alors là, c'est lui là qui essaie de m'hypnotiser et de me contrôler. Il y a aussi des plantes super agressives. J'avais scanné ça? Ça me semble assez fifou comme plante. Sûrement. Ou alors c'est pas scannable, je sais pas. Il se vide l'inventaire en live. Ça, je vais reprendre ça. Ah, mais ça fait de la lumière. Je vais en prendre qu'un peu alors. Voilà. Ça suffit, ça. Ah, et ça, c'est un truc alien. On va le suivre. Je suis à 480, ça va. Faut suivre les bibules. Ah, c'est cool. Ah, je suis trop contente de pouvoir enfin nager ici. C'est tellement relou. J'ai encore un peu de marge en plus. Okioki. Ouais, c'est un labyrinthe par contre cette partie-là, ouais. Je sais même pas si je vais dans la bonne direction de ce que le jeu veut que je voie, je ne sais pas. Oula. Ah, ça va. Oh, c'est beau, regardez, c'est beau. Je vais suivre les petites lanternes. Je sais plus du tout où ça va mener. Ah bah, au corps de l'architecte. Bah, de toute façon, fallait que je le trouve, donc c'est cool. Mais j'ai pas trouvé la dernière... Enfin, le pilote. Parce que c'est ça, la vache, que je suis censée chercher. On voit une cascade derrière. Je suis heureuse, nous sommes heureux. Merci. Bah ouais, c'est cool. Oh, regardez, cet endroit, il est si beau. J'espère que mon truc va pas se faire attaquer. Regardez ça, c'est trop cool. Je vais tout scanner. Oh, mince, j'espère que vous entendez bien le jeu, c'est un peu bas là. Ah bah non, mais c'est normal que ce soit bas. Oui, voilà, pour ça. Alors, plante ornementale ancienne. À l'ancienne. Ah, j'ai rien à scanner là. Pourtant c'est des plantes que je connais pas, je crois. Hein. Je peux pas ramasser les petits champignons. D'accord. Merci. Ah mais c'est ça que je dois scanner. C'est cette vieille carcasse pourrave là. Pour moi le corps de l'architecte c'était ça. Non non c'est... C'est ça là. C'est, les entre... c'est l'entrecôte là. L'entrecôte terminée. Le squelette présente une densité importante, il doit supporter des forces impressionnantes. Il constitue une bonne base pour ma nouvelle forme. Tu vas bien, Alan? C'est pas souvent l'occasion d'observer une forme d'un architecte des forces. C'est un sanctuaire ici, tout est calme et si beau. La propagation de bactéries a remis en question la continuité de la vie.
Ce lieu est consacré à la méditation. I think I understand. Je crois que je comprends. Bah oui, bien sûr, tu comprends. Attends, une fois la mère t'avait pris... Qu'est-ce que t'appelles un bateau des enfants, Slime? C'est quoi? C'est genre les petits bateaux gonflables? Pour me reposer, je me suis endormie... Attends. M'étais endormie, je me suis retrouvée au large. Impossible de nager à contre-courant. Un Zodiac est venu me chercher. Mon ex m'avait défoncé. Putain. C'est vrai que ça peut être dangereux, ça. Dans un lac, ça va. Dans une rivière, bon. À la mer, quoi. Oh, et puis t'as... Mais du coup, ils t'ont pas vu t'éloigner ou peut-être trop doucement? Et ils s'en sont rendus compte plus tard? C'est possible. Oh là là... C'est très marrant. Parce que ça, c'est bien fini. Je suis pas fière, hein, je me doute. Je me doute. Elle a dû flipper de ouf. Mais ouais, bah je pense que c'est un truc à laquelle, auquel tu ferais gaffe maintenant. Je peux supposer que bizarrement, tu feras super gaffe à ça. Après avoir failli te retrouver dans Lost. Et après avoir failli l'avoir dans Lost, c'est bon. Oh là là. Excusez-moi, je suis hyper fatiguée la VOD, je suis trop désolée. Je vais pas être d'une compagnie incroyable, mais je vais essayer au moins d'avancer un petit peu dans l'histoire, histoire que, au lieu d'avoir de l'animation, vous ayez au moins de l'histoire et du gameplay. Parce que je suis mais un état de fatigue, je sais pas pourquoi. Très avancée. C'est quoi ça? C'est du diamant? Ok, je reconnaissais pas comme ça. Je me réveille, j'étais au milieu des yachts. Je voyais pas la plage, que l'horizon et la mer. Bon, au moins t'avais des... Ouais, mais c'est ça. J'allais dire t'avais des bateaux pas loin de toi, mais en même temps, si tu pouvais pas les atteindre ni nager... ils pouvaient ne pas du tout comprendre que t'étais en situation de détresse, quoi. Savais que le Titanic, quand il a coulé, il a été observé de loin. Mais les observateurs ont mis beaucoup de temps à comprendre qu'il y avait un souci. Trop tard en fait. Je sais plus ce que c'était comme bateau. Mais en tout cas, ils savaient pas. Je continue à explorer moi. Genre par là. Et ensuite par là. Ensuite par là. Peut-être que je vais trouver ce pilote. Non, je pense que tout va me mener au même endroit. Ouais, les petites bulles rouges. Ouais, tout me mène au même endroit, d'accord. Je comprends mieux. Je sais pas pourquoi t'as fait 8 lives en 7 jours. C'est vrai. Non, mais je sais pas, ça avait l'air... Bon, j'ai senti que j'étais un peu fatiguée aujourd'hui, mais j'ai fait des trucs et ça allait, tu vois. J'avais pas de poids de fatigue sur mes épaules. Et là, j'ai eu vraiment à 21h, alors que je devais commencer le live à 21h30, et ben ça a commencé et c'était de pire en pire. Ça continue. Mais je ferai un petit stream, c'est pas grave. Et là, bah là, on va retourner aussi d'où l'on vient. Ouais, d'accord. Bah, je pense vraiment qu'il n'y a pas d'autre endroit intéressant ici que là où on est allé. Mais du coup, la dernière position du pilote connu... Eh ben, je sais pas où le trouver, en fait, le pilote. La dernière position connue. Ah. L'oxalmure. Ah bah, ça, on le savait. Merci, c'est Pipou. Je sais pas pourquoi j'ai pas flippé, c'est bizarre. Ouais, bah parce que tu voyais quand même des bateaux autour de toi, donc tu t'es dit bon, je trouverai un moyen quoi. Je pense que tu t'es dit
je suis pas isolée. Parce que par contre, tu te retrouves comme ça au large, sans voir un seul bateau autour de toi. Peut-être que ce serait différent, je sais pas. Après, des gens aussi sont juste très pragmatiques et vont dire « Bon, ça sert à rien de paniquer, je vais faire ça, je vais faire ça. » Ça dépend aussi de votre tempérament. Moi, j'ai la panique facile, moi. Et je crois que ça choque personne. IRL, pas dans les jeux. Dans les jeux, je peux être très prise dedans, être un peu à fond, mais ce sera pas de la vraie peur, de la panique, machin. Mais par contre, IRL, ouais, j'ai la panique un peu facile, ouais. Bina. Ah, waouh. Non mais en fait là je découvre rien. Je vais retourner à la position du pilote truc et je vais voir si je trouve pas une petite croûte. Peut-être pas aussi profond. Parce que là je suis allée bien bas. Je suis descendue bien bas ma bonne dame. Genre là là. Ah là là, il y a une grotte là. Hop, ça fait grotte, vous avez vu? T'es mal à la taille de la grotte. Le machin, non, il est pas cassé, il est 96%. Ça va. Ça passe. Par contre, mon perso commence à avoir la dalle. Bouffer ça, faire boire ça. Et voilà. Ah, mais en plus, c'est vrai que j'ai ma lame qui crame. Donc je peux me faire un petit filet aux fiches tranquille, là. C'est peut-être pas mal ça. C'est une grotte ça ? Bah non. Tiens, je vais voir si je peux. Enfin, si à scanner c'est intéressant, c'est pour ça. Ne fais jamais ça ! Non, ça c'est sûr, je. Mais bon, j'aime pas trop me mettre dans quand je suis à la plage ou un équivalent. J'aime pas trop juste me mettre sur un truc et bronzer. Si j'y vais dans l'eau, c'est vraiment pour nager. Du coup, ça c'est le genre de truc où exactement comme ça, en tout cas, que ça se passe exactement comme ça, il y a peu de chances que ça m'arrive. Parce que c'est trop chiant la sensation de tu sèches mais sur l'eau. Donc si tu veux descendre de ce petit bateau, de ce petit coussin gonflable, de cette bouée, tu sais que tu vas devoir te geler les miches. Eh ben c'est pas cool. Ça par contre c'est le pilote, il a mis ça, c'est sûr. C'est sûr. Didn't I tell you to stay away? From what? Restez à distance. Ah, de quoi? I don't even know who you are. J'aime pas qui vous êtes. Ah, Marguerite, elle me contacte. Great. Sur mon territoire. Can I come in and warm up? Ah, mais je suis revenue sur son île, mais sous son île. Do you not understand, Altera? I'm not with Altera. Il vit pas avec Altera. Ça, c'est la méchante qui nous a mis un taquet. Non, je cherche le pilote. Non. Si, je te jure. C'est des connards et je joue pas avec eux. Petit filet aux fiches. Bah ouais, je prenais toujours ça quand j'étais petite. J'ai peut-être pas beaucoup de goût, je sais pas. Merci Kyle pour le raid sur Somnotique Q. J'ai une super goutte, mais c'est pas la mienne. Très bizarre cette phrase. Merci. Il était sur No Man's Sky, ça a été... Oh, c'était une petite juste replongée dedans pour un peu voir s'il y a des trucs qui ont changé, mais vu que tu te souvenais de rien, ça a dû être un peu chiant. Enfin, de rien. Oh là là, regardez, il s'est fait bouffer, il y a un mob qui s'est fait bouffer. Waouh. On va. Mais je sais pas où je vais. Enfin, je sais pas. Non, bah non, ça a pas de sens d'aller là. Mais je trouve ton artefact, mec, alors que j'essaye même pas de le trouver. Mais j'essaye de trouver autre chose, moi. Ok, artefact architecte. On est sur Subnautica Below Zero et on a commencé la semaine dernière, plus ou moins. J'ai un recyclotron. Ça, c'est nouveau, ça. Enfin, c'est nouveau.
C'était pas dans le premier. Pardon, je t'ai laté. Il a les mains. Oh, je parie qu'il me donnait un cadeau. Je suis désolée. J'ai roulé dessus. J'ai roulé sur sa gueule. Ah, ça s'est fini sur un crash. J'ai plus internet donc je les envoie. Mais attends, what the fuck? Un crash du jeu ou un crash de l'internet? Mais comment t'as réussi à faire un raid? Remarque, tu peux le faire depuis le téléphone, mais ça veut dire que les gens ils sont restés. C'était sur l'écran noir. Merci beaucoup. Bon bah d'accord, pas fou. Crash du jeu puis crash d'internet. Et franchement, bonne soirée hein. Entre les soucis que t'as eu hier et les décos d'aujourd'hui, crash et tout, tu dois être gonflé, tu dois être gavé, je comprends. Bah fais chier pour toi. Oh j'espère que l'internet va revenir vite, c'est peut-être juste à cause de la chaleur. Même si c'est rare sur Paris en vrai, hein. Avoir des soucis à cause particulièrement de ça, c'est quand même assez rare. Même les tempêtes en général. Quand t'es en région parisienne, c'est assez rare que ça te touche. Quoi. Ah, c'est lui. Mais lui, il veut faire un cri de... Un cri de quoi? Ça me fait penser à quoi? Ça fait penser à un tyrannosaure un peu. De... Bah, de Jurassic Park, évidemment, parce que je connais pas les vrais, hein, bizarrement. Mais mélangé avec une feuille qui se déchire. C'est ce même effet de... Enfin, difficile à dire. Je fais mal la feuille. Il y a des sabotages de fibres d'hier. Oh! Aussi? Bah cela dit, ouais, pour si c'est en rapport avec les JO, ouais, en région parisienne, tu peux peut-être être touché par ces conneries-là. Comme avec le métro. Montez là ça. Bah je sais toujours pas où il est ce foutu pilote. J'avance dans l'histoire, mais ça voilà, ce point-là, là, j'ai pas réussi à savoir qu'est-ce que le jeu veut que je trouve exactement à cet endroit-là. J'ai pu l'explorer beaucoup, mais il manque un élément. Bah le pilote quoi. Oh la baleine. Elles sont très jolies ces baleines avec leurs petites antennes. Leurs petites cornes. C'est désir, mais j'ai pas trouvé trop. En 2 minutes, tu trouves, je suis jalouse. Bon, ouais, faut pas. Et puis, j'ai toujours pas trouvé de pilote, hein. Donc, en frite. J'ai avancé sur un point, mais pas sur l'autre. Pas sur la raison qui fait que je suis ici, quoi. En vrai, de vrai. Ça, c'est tout abîmé, ça. Ah, faut peut-être que je suive, ça. Aïe, putain. Oh, faut peut-être que je suive. Attendez, je vais suivre ça. Ça a aucun sens ma théorie là tout de suite. Parce que regardez, c'est un peu abîmé comme si le pilote s'était crashé sur les... Je suis trop nulle en pistage moi. Je pourrais pas être crapeuse. J'ai fait demi-tour au lieu de continuer quand même. Attends, mais vraiment, Kato? Attends, mais j'ai pas fait demi-tour, je crois, si? Alors, je m'en suis pas rendu compte. Quand elle m'a appelé. Mais je me suis pas rendu compte que j'ai fait demi-tour, moi, je t'avoue. J'ai pas voulu le faire, en tout cas. Combien mesure une baleine bleue? J'essaye de me rappeler et de comparer par rapport à d'autres bestioles où je sais. Une trentaine de mètres ou plus? Non, 30 mètres c'est déjà énorme. Une trentaine de mètres, ça me paraît déjà beaucoup.
Essaye de comparer avec d'autres espèces. Genre un requin baleine, c'est environ 30 purées de mètres. Ah ! Donc j'avais bon. Requin baleine, je sais qu'un requin baleine adulte, c'est une quinzaine de mètres s'il vit assez longtemps, quoi. Après, les trucs genre baleine à bosse et tout, ça doit être à peu près ça. Un peu plus, peut-être. Peut-être dans les 20. Tu dis ton maître, c'est vrai. T'imagines le truc? Ouais, bah on voit des choses très grandes très souvent en soi, hein. Notamment mon sexe, mais sinon... J'ai 8 ans et demi, pardon. Ouais, bah ça doit être assez ouf de croiser une baleine, mais en même temps, c'est très rare, quoi. Mais ça doit être très impressionnant. Très beau aussi. Moi, les requins baleines que j'ai vus... 40 capes à moi, ça pèse 40 capes à moi, putain. Moi aussi, je veux ça. J'accepte. Les requins baleines que j'ai vus, c'était 5-7 mètres. C'était pas des très grands requins baleines. Une vache près, quoi. C'est une estimation au puffy, au feupi, au pif. Donc j'arrête avec le verlan du verlan, ça a plus de sens. C'est par là, Kato, genre? Non? Si c'est ça, fallait que je suive la lumière. J'y vais. Banamos, c'est plus 10 mètres, ouais. Ok, d'accord. Super sexe alors, Lox. Merci. Ah! Oh, mais oui, j'y étais! Punaise, j'ai fait demi-tour! Oh là là, mais je suis vraiment nulle. Ok. Ah, mais c'est pour ça qu'elle m'a dit cassez-vous. C'est oui. Là, c'est sa base à elle, je crois. Qu'elle a fait avec des feuilles mortes de l'océan. Ok. Mais oui, mais elle va. Je me rappelle, oui, il y a une cinématique et tout à cet endroit-là. I remember that. Est-ce qu'il y a du magnésium ici? De la magnésite. C'est ça qu'il me fallait. Je regarde un peu si j'en vois au sol. No. Il y a des compos, mais pas ce que je veux. Oh, c'est joli par contre. Oh, ça, j'aime beaucoup. Bon, j'y vais. Je vais déjà aller la voir et après je vais commencer à explorer vers Atanto. C'est où qu'il faut rentrer, je me rappelle plus. Lox, c'est la meilleure. Ah bah je peux rentrer par là. Merci, hein. Pour rentrer par là comme ça. Ow. Ok. Ok. Le prone personnalisé. Il est classe. Et oui, c'est ça qui change un peu, c'est qu'il y a plus de... Enfin, il y a des machines qui changent et tout, mais il y a aussi un lore un peu plus présent. Dans une histoire, un scénario un peu plus présent dans ce Subnautica-là. Et on va en voir un petit bout. Là, maintenant. Je le savais, ça m'a fait sursauter! I told you to stay off my land. Ah, c'est pour ça qu'elle m'a dit ça. Trained that thing? Next time I'll let him tear you to ribbons. La prochaine fois, je vous laisse. I'm not with Altair. Je la laisse vous déchirer les entrailles, je vais y arriver. I'm looking for... Je suis pas avec Altair, je m'appelle Robin Ayou. I think you might... Je cherche des informations au sujet de Sam, ma sœur. Je crois que vous êtes déjà rencontrés. I suggest you take the time you need to come to your senses. Dégueulasse, c'est celle, faudrait qu'elle fasse le ménage. En même temps, elle vient enfermer tout le temps. If you're not Altera, why don't you disable that damn track and satellite tower instead of barging into my sea base? Pourquoi est-ce que vous n'iriez pas désactiver cette foutue tour de repérage satellite au lieu de débarquer dans ma base? Peut-être que je me souviendrai de votre sœur. Si je n'ai plus d'Altera sur le dos. Pas de pareil sur la table pourrait vous aider. Ouais, je n'ai rien réussi à en tirer. Ok!
Avec un lutin aussi, quel monstre. Bah, c'est un requin, quoi. Et avec une mâchoire qui peut sortir. Un requin assez gros, effectivement. Je vais y arriver, ici. Qui a un peu une tronche chelou. Enfin, quand il sort sa gueule. Parce que sinon, quand il la rétracte vraiment, il a quand même plus une tronche de requin classique. Ouais, le trophée de Léviathan faucheur, c'est vrai que ça, c'est badass, hein. Oui, le dôme en vert pour grande salle. Ah, ça me fait mal le vieux un peu quand ça flash comme ça. Mais c'est quoi qui me gêne? Oh là là, dis donc. Salut toi. Rôdeur des neiges. Ah, c'est lui que je scanne. T'es rigolo, toi, petit machin, là. Tu vas faire, tu vas faire. Tu vas rien faire. C'est juste pour m'empêcher d'aller à la suite de l'histoire. Oh, ça je peux pas prendre. Mais ça dégoûte, toi. Ah, ça par contre je peux prendre. Ton nom de Marguerite. À cette distance, il est inutile de tenter de revenir à la nage. Je m'épuiserai bien avant d'avoir atteint le rivage. Ma seule chance était de survivre assez longtemps pour échouer quelque part. J'ai senti que quelque chose m'aspirait, puis j'ai vu de grandes mâchoires. Ah bah tiens, qui émergeait de l'eau. Le corps du Léviathan a mis plusieurs heures à remonter à la surface. Je me suis servi du couteau pour me hisser sur son flanc. Non mais what the fuck. Je me suis dit qu'il flotterait... Ah mais oui, non mais c'est qu'en fait, elle a tué le Léviathan, elle a dérivé avec. Je me suis dit qu'il flotterait encore quelques jours. Assez pour reprendre mon souffle. Par contre, il n'était pas impossible que je meure de soif avant que la carcasse ne coule. Mais avec un couteau, un outil de réparation et 3 litres d'eau, je ne risquais plus de me noyer. Je ne risquais plus de me noyer. Après avoir épuisé mes forces. Les faucheurs sont composés essentiellement de muscles. Mais ils ont quand même un peu de graisse. J'ai réussi à me réchauffer et à boire de l'eau. Et qui dit outil de réparation dit étincelle. Il m'a fallu une semaine entière pour allumer mon premier feu. N'aurais jamais cru en apprendre autant sur les propriétés de combustion de la graisse du faucheur. Il fallait limiter les feux. Mais au moins j'avais la possibilité de fumer de la viande. Récupérer. Dans la cage thoracique. Et ben dis donc. Tout est revenu. Ah bon, ça va. Rassuré. Vu ce qui t'est arrivé il y a pas longtemps, rassuré. Il y a des problèmes sur les réseaux fibres en ce moment, je crois. Je sais pas, quelqu'un parlait de sabotage, mais je sais pas si c'était du troll ou du vrai. Je me suis pas assez renseignée. Je vous l'avoue. Je viens de passer au niveau 2 de mon ventilo, j'ai eu un petit orgasme. Eh ben écoutez, comme quoi les plaisirs simples. C'est ceux qui nous procurent le plus de sensas, hein. Les sensas. Bon bah je peux rien scanner d'autres, je pense. Hein. J'ai essayé tout scanner, je me coince partout, ça m'agace. Je préfère nager. Je trouve une meuf de l'océan. On entend parler de Marguerite dans le premier Subnautica. Est-ce que c'est celle qui survit avec le gosse là? Enfin avec le... ça veut rien dire. Celle qui survit, une sorte de mercenaire qui survit avec le père et le gamin. Et ils ont tous des points de vue différents. Et du coup ils tentent des trucs. Ouais c'est elle, ouais c'est ça je me rappelle. C'est difficile, excusez-moi de décrire, mais dans le premier Subnautica on voit... qu'il y a un gars un peu fortuné probablement qui a emmené son fils et une mercenaire qui se sont retrouvés un peu en galère sur la planète et ils ont des points de vue, enfin tu vois quand tu suis leur quête, quand tu suis un petit peu les différents enregistrements qui s'engueulent par rapport à la manière de survie, il y en a qui veulent tenter une base sous l'eau, d'autres qui veulent tenter en surface mais à chaque fois il y a des problèmes et tout. Et on comprend, je crois, à un moment qu'en tout cas, les deux, le père et le fils, effectivement, je crois, survivent pas. Mais enfin, il me semble, en tout cas, le fils, je me rappelle qu'il tente une base sous l'eau et ça se passe mal. Et le père, ça doit être un peu pareil. Mais voilà, je me rappelais pas pour la mercenaire, à savoir Marguerite. Plus, je déconne aussi ce soir. Ouais, j'ai cru comprendre. J'ai eu un tout petit truc sur ton stream tout à l'heure où j'ai dû refresh, mais c'était vraiment une seconde, enfin voilà, ça allait.
Et quand j'étais sur scène de Zul, bah, je voyais plusieurs personnes qui disaient qu'il y avait des freezes et tout, mais moi j'en ai pas eu. Enfin, des freezes où le stream qui se bloque et faut refresh la page, je crois. Mais j'ai pas eu ça sur, sur son stream à elle. Donc, si vous avez des soucis comme ça, et ben c'est normalement plus de Twitch parce qu'on n'a pas tous les mêmes. Je t'ai scanné, toi ? Quel type de Pokémon es-tu ? Poisson disque, il est rigolo. Oh, c'est joli ! Main. Je pense que ça s'est calmé. C'est juste qu'elle errait. Ouais. Ouais, bah j'imagine que ça dépendait des serveurs en tout cas. Mais oui, je voyais que t'étais pas du tout le seul à en parler. Ah, mais faut que je me fasse. Attendez, je vais me faire un bouffer. Désolé, petit poisson disque, tu es trop mignon, mais je vais te bouffer. Mais je suis trop désolé. Typical gars de. Typical humain devant un lapin. Oh, je suis trop mignon, mais je vais te bouffer. Oui, c'est beau, t'as vu. Twitch était pas du tout stable aujourd'hui. Ok, ouais, c'est, ça l'a fait à pas mal de monde alors. On va explorer un petit peu cette grotte bien classe. En plus, la musique est cool aussi. Ça semble passer ? Retombe. Oui, bah j'imagine qu'avec les serveurs européens, quand on arrive vers minuit, ça commence à avoir moins... Oh, un manchou espion ! Je commence à imaginer avoir moins de soucis. Manchouné espion. N'importe quoi. J'ai quoi, combinaison de filtration d'eau? Ah, combi qui me fait de la flotte avec ma sueur. Comme c'est charmant. J'adore me boire. La phrase est horrible. La phrase est horrible. Je vais continuer à explorer par ici. Ah oui, tu piques, c'est ça en plus. Ah, ah, là c'est un biome que je connais pas ça. Oh, c'est beau. C'est vrai que je l'avais dit, mais j'avais un peu oublié. Quand on parlait du premier Subnautica, que je trouvais que celui-là, bon, c'est pas vraiment le second, vous avez compris. Ce Subnautica-là, on voit qu'il avait des endroits encore plus jolis. Même si je trouve que le premier est très très beau. Magnétite, oui, j'aurais dû la scanner. Ça m'aurait peut-être débloqué un truc, mais bon, j'en ai trouvé une, j'en ai trouvé d'autres. Il me faut de la magnétite parce qu'il me faut que je me fasse un réacteur. Wow, un réacteur thermique. Ah oui, du distel. Je peux pas en tout cas choper des cristaux là comme ça tout de suite. Attends, mais j'ai pas scanné ça. Ouais, mais à tous les coups, j'ai déjà. Bon, je le tente, mais je crois que j'ai déjà. Ah non. Ok, bras torpille, j'avais pas. Je suis à 520, 530, ça. Ah oui, si, ça s'en est, ça. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi j'ai pas les bonnes alertes? Ça n'a pas de sens. Merci beaucoup, mes Striki. Là, pour le coup, ça vient de Twitch, je pense, parce que mes alertes fonctionnaient tout à l'heure. Merci beaucoup pour la bocado à quelqu'un dont je ne peux pas prononcer le pseudo. Parce que je ne sais pas le lire. Merci beaucoup, mes Striki. Je sais, je n'ai pas de sens. Bien vrai, ça. Merci. Désolée, t'as pas eu le droit à une vraie alerte. Ça dégoûte. En ce moment, c'est de temps en temps, ça. Mais c'est pas la faute de TwitchChat, parce que j'ai pas mes alertes encore sur TwitchChat. Seulement les bits. J'ai pas besoin d'en prendre, ça. Je vais pas m'emmerder. Toi, je t'ai scanné déjà.
Il a essayé de me boxer la gueule. La dégoûte. Un triops. Désolé, petit triops. Je vais te bouffer. Voilà. Ah, c'est vrai que c'est... Oh, bah torpille, ça. Non, propulsion. Oui, mais ça remarche, par contre. Ça, c'était moi qui avais mal fait un truc. Les petits points d'exclamation fonctionnent normalement. Lock, c'est la meilleure. Ah bon, ça, on le savait. Bug pas. Non, non, mais vraiment. Là, je sais que en ce moment, les alertes, qui, moi, sont encore en partie sur Streamlabs, parce que je suis une feignasse et que je m'y mets pas. J'ai fait que les alertes de bits sur Twitch chat. Et mes autres alertes, en ce moment, c'est assez souvent qu'elles, je sais pas, s'activent pas, ou en tout cas s'activent sur Twitch. C'est la version Twitch qui s'active, je sais pas pourquoi. Un de quoi ? Oh, créature de classe Léviathan ! Trop bien ! Hello, Cromléchant ! Cromléchant, faut pas que je le prononce comme ça, c'est très bizarre. Comment vous allez ? Je suis, moi, assez fatiguée, donc je sais pas du tout jusqu'à quand je vais stream ce soir. Et demain, je streamerai pas normalement. Vous avez vu, je prends des pincettes, je dis normalement. Mais sinon, à part ça, je vais bien. Oh, regardez, il est trop beau. Oh, il est trop beau. Ah, je me rappelle, il est trop beau, mais il est aussi trop chiant parce qu'on passe du temps ici. Regardez ça, là. Oh, je l'aime trop. J'aime trop les bêtes. J'aime trop les énormes bestioles sous l'eau. Et oui, je me rappelle, faut faire gaffe quand tu t'éloignes, comme je vais devoir le faire, parce que je vais pas tarder à arriver à la limite de mon sous-marin. Je dois faire gaffe à pas le mettre dans un endroit où le Léviathan pourrait avoir envie de lui choper la tronche. Non, tu vas galérer à remonter. Bras torpille, c'est bon. Production est pas sur la bêta. Les trucs que j'avais fait avant, enfin vu que c'est le même compte, les trucs que j'ai fait sur la version pas bêta sont quand même sur la version bêta. Genre les triggers point d'exclamation, ils y sont quand même. Donc en toute logique, les bits, ça devrait être pareil. Mais toute façon, j'en reçois assez peu, donc je la vois pas souvent. Faut l'avouer. Et mes autres, les subs et tout, j'ai pas encore fait. Mais je l'ai fait. En version bêta ou pas, je saurais plus te dire parce que c'était au moment où je commençais à tester la bêta. Donc j'avoue que ça, je saurais même plus te dire. Bon, ça save régulièrement, oui. Ah, ça a copié tous les paramètres depuis la production. Mais les données sont pas synchronisées. Ah, ok, ça faudra que je check. Mais comme je dis, de toute façon, c'est pas l'alerte qu'on entend le plus souvent, faut l'avouer. Mais faudra que je vérifie, tu as raison. Merci pour l'info. C'est possible que je l'ai faite sur la version classique. Sur la version retail, non, c'est trop beau ça. Et pas bêta, ouais c'est possible. Des bits pour Pikachu. Oh punaise, merci de l'inverser, faut vraiment que je fasse ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un truc jaune. Alors j'explore ici, mais je sais... Ah, mais il y a un truc à trouver. Ah non, c'est hyper long. J'explore ici parce que je peux, mais je sais pas s'il faut que je trouve un truc. Déjà, il va falloir que je scanne le Léviathan. Ouais, il va falloir que je scanne le Léviathan. Ça va être obligatoire. Côté portal dans la musique, peut-être un peu, mais c'est un... En fait, la musique a un style qui me fait penser à plusieurs autres trucs. Film ou jeu. Je me rappelle un petit peu mal de la musique de Portal, j'avoue. Sauf une, mais les autres, s'il y en a plusieurs, je saurais pas trop. Salut Teru. Merci. C'est mignon. Ça va, ça a été le dernier live de la petite Mello. En fait, c'est vacances, même si c'est plus un séjour que des vacances, vu que comme d'hab, quand tu vois la famille, surtout si t'es un peu contraint d'y aller, c'est pas du giga repos. Donc
vacances, c'est vite dit. Il y a quoi ici d'intéressant? Intéressant. En tout cas, j'ai l'extension parfaite pour mon sous-marin. Parce que ça s'arrête vraiment, enfin la zone a l'air de s'arrêter vraiment à la limite de ce que je peux atteindre en profondeur, donc c'est nickel. Mais je pense qu'il faut que je scanne le Léviathan aussi, peut-être pour avancer. Il est où? Il est là! Bah il est là, mais il passe totalement dans la roche aussi! Et il repasse en dessous. Mais il est super rapide, ça va être chaud de le scanner, regardez. Oh, mon petit, trop beau. Ok, sauvegarde. Mais ouais, mais c'est le problème des Léviathans aussi dans le jeu, c'est qu'ils passent constamment à travers les roches et les décors. Donc c'est d'autant plus relou à suivre. Regardez la rapidité du truc! Jamais je peux le scanner, moi, ça! J'arrive même pas à le rattraper dans le sous-marin. Ah! Je crois que c'est lui qui va me rattraper bientôt. Ça va, on est ok. Ah! Je scanne! Faut vraiment que je mette au niveau de sa tête. Non mais ça c'est abusé par contre. Tu m'as pas vu. C'est facile hein. GG, merci. C'est pas fini. C'est pas fini. Oh non, il casse mon sous-marin. Je vais m'éloigner un petit peu, je pense. Ça va toi? T'es un peu, hein? Si un jour on se rencontre, là tu goûtes, ça met pas des bretons. D'accord, grand blèche. Avec plaisir. Coco pépite choco noir, testez coco pépite chocolat ou cranberry pépite choco blanc. Goût fraise, citron, orange, caramel ou pistache. Très bien. C'est pas à côté d'une base abandonnée, c'est pas très loin de la... Enfin un peu plus bas, mais ouais, c'est un peu plus bas de la base de la méchante. Enfin de la méchante qui n'est pas vraiment une méchante. C'est en dessous de la base de Marguerite, donc ouais. C'est pas qu'elle est abandonnée, c'est qu'elle est un peu faite à la... Enfin, pas à l'arrache, mais vu qu'elle vit dedans, t'as un peu un mélange de trucs technologiques et de trucs un peu de survie, quoi. Ouais, c'est ça. Bien joué, bonne mémoire. Moi, ça, j'avais oublié. Je me rappelais de la zone, mais je me rappelais pas du tout en rapport avec ma fleurie, tout ça, tout ça. Alors là, je vais faire genre, j'ai fait exprès de sortir, mais c'est peut-être plutôt bien. Comme ça, je scanne ma fumerole. Quoi? J'ai mal? La chaleur? Peut-être. Niveau magnétite, j'en ai chopé que deux. Et si j'en ai besoin pour plusieurs crafts, ça va être très limité, donc j'aimerais bien en trouver d'autres. C'était ici? Non, c'était pas ici. Il faut que je redescende. Ouais, pareil, guide. Effectivement, le 1 et le 2 étant très similaires sur plein de points. Il y a certains trucs que je sais plus. Ah bah ça on le savait. Ah si en... Oh c'est quoi ça? C'est un poisson! Pardon, j'ai laté des poissons. C'était sur ce biome là, la magnétite. Oula. Il y a un camion qui est passé dehors, ça me fait trembler le sol et mon bureau. C'est assez ouf.
Ça me fait très bizarre de me dire, mais c'est bizarre que j'ai ma manette qui vibre alors que j'ai pas de manette. C'est normal, c'était le camion dehors. Oui, c'était pas loin du D-10. Là, du D-10. Bah, je vais prendre. Ah oui, magnétique, on a là. Bien joué. J'ai combien de place encore? Rien du tout! Bah, je vais essayer d'en choper une autre. Avant de remonter. Ah oui, j'avais oublié lui! Il m'atteint pas, l'endroit il doit être fait à peu près exprès. Ah ouais, j'ai un détecteur. Mais oui, mais le détecteur, le truc c'est que c'est que quand je suis sortie du sous-marin, c'est chiant. Beaucoup de magnétite, mais si jamais je recroise avant de d'atteindre la surface, enfin là en tout cas le haut de cette zone, je le prends. J'ai quoi sur moi? Mais j'ai plein de le titane, je vais le virer, je peux en avoir partout. Ça aussi, je pense pas qu'il y ait un biome plus haut. Coco. Non mais chion, fous-moi la paix. Coucou, c'est qui OMG? C'est Tezaka, salut Tezaka. Mais dégage! Ah, maintenant qu'il m'a repéré, il me lâche plus en fait. Laisse-moi! Oh, waouh! Ok, c'est classe. Oh, toi! Voilà. Parce que bon, ma base, elle est quand même fort loin. Si je pouvais avoir un petit stock, ce serait plutôt adéquat. Ah bah là, c'est la bonne alerte. Mais y'a pas de sens. Merci beaucoup, Philadelman. Merci pour le Prime. Et bravo. Oh, mais l'alerte est super forte alors que je les avais baissées. Pardon. Pardon, l'alerte est super forte alors que je les avais baissées. Décédé devant mon ventilo en l'heure. Va te prendre une petite douchette. Oh, comment il saoule par contre là. Je te trouve de moins en moins stylé, Dieu. Super, t'es content? Merci beaucoup, Pulo Dormon, merci. Et bon lurk, merci beaucoup, beaucoup. Ah! Et merci de me choisir pour le lurk. Même si aujourd'hui, je sais rien faire. Ne dites pas qu'est-ce qui change de d'habitude, sinon je vais pleurer. Ça fait beaucoup de douches. Je peux comprendre. Je peux comprendre, mais il faut les prendre chaudes. Maintenant, c'est bon, j'ai compris. J'ai eu l'illumination l'année dernière. J'en parle à chaque fois, comme si c'était un truc de fou que j'avais découvert. Arrête, mes trucs, je vais pleurer. Tellement fatigué, j'ai envie d'éternuer alors j'ai les yeux déjà mouillés. Non, laisse-moi tranquille. Yeah, j'ai l'impression que ça devient dégueulasse. Là, au bout d'un moment, c'est un king. Qu'est-ce que tu me fais faire, hein? Je me mets là. J'arrive pas à remonter puisque j'ai pas fait gaffe de par où je suis venue. Oui, bon, c'est vrai qu'en fait, dans le jeu, là, j'ai avancé. C'est vrai.
Mais bon, c'est le jeu qui s'avance tout seul. Moi, je fais juste... Moi, j'appuie juste sur Z et je fais des clics gauche. Tu sais, c'est la... Moi, je suis la relou qui s'auto-shame tout le temps. Non, mais en vrai, moi, ce que je fais, c'est pourri, je sais. Moi, je fais juste ça. Hein. Laisse-moi tranquille, je sais plus par où partir, bordel. Ah, j'allais pas. Pas mal par là. Il y a quoi ici d'intéressant? Pas grand chose au niveau matos. Au niveau compo. J'ai goumé un poisson. Là, je prends. Merci CV qui m'imite. Ouais, un peu, ouais. C'est Outer Wilds, je reconnais. Je pense que ça fait partie un peu de... Il n'y a pas... bon, Outer Wilds a l'air d'être un jeu difficile à comparer. Moi, j'ai vu zéro let's play parce que je sais à quel point la découverte est importante. Donc je sais de très très loin le principe, mais de très loin encore une fois. Mais ça fait partie des jeux qui peuvent être un peu comparés quand même. De ce que j'ai cru comprendre par les gens qui ont fait les deux jeux. Il y a un peu souvent le même... Je sais pas trop comment dire. C'est un voyage. Je vais sur la flotte. Bon courage pour la douche. Ne te noie pas. Et ne te perds pas dans l'océan comme tu as failli faire en été. Évite de t'endormir. Je mélange toutes les anecdotes que tu m'as dites. Gaffe au requin lutin. C'est pas du spoil. Non, t'inquiète, t'inquiète. Pour réparer notre vaisseau comme tu le fais. Ok, bah oui, il y a peut-être un... Il y a peut-être des petits rappels. Dans un jeu ou dans l'autre. Mais je le ferai à Outer Wilds, mais mais toujours pas, mais ça faut que j'enlève ça. Du coup, parce que là je crois que j'ai tout trouvé. Je le ferai à Outer Wilds, mais j'ai laissé le choix aux gens. Quel jeu ils voulaient que je fasse. Et ça a été Subnautica qui a été choisi. Donc voilà. Après, si je dois le faire en let's play, bah ce sera un peu plus tard. Et je me disais, bah ce sera peut-être plutôt cet hiver, je verrai. Là, pour le moment, on est dans la flotte. N'hésite pas à te backseat quand ça commence à te saouler. Ok, j'ai pas... C'est vrai que moi, je suis pas du tout quelqu'un de frileuse du backseat. Ça permet de faire avancer un petit peu le jeu. Évidemment, quand je joue solo, je vais un peu plus me creuser les méninges, mais en stream, j'aime bien qu'un live soit fluide. Et galérer pendant une heure sur un truc, ça peut m'arriver quand même. Mais c'est vrai que ça me dérange pas, en tout cas, par rapport à pas mal de gens, qu'on me backseat. Et généralement, si là, pour un truc en particulier, je vais essayer de trouver toute seule, je le dis clairement. Ça va être plus ça, l'inverse. Là où la plupart des streamers, ils vont dire clairement quand ils veulent être backseat, moi ça va plus être l'inverse. Et j'avoue que comme ça, ça m'a permis de découvrir des jeux beaucoup plus en profondeur que si j'avais fait ça sans backseat, comme Elden Ring. Le jeu est ouf, mais le jeu est fait pour que tu te backseat, enfin il est trop pensé comme ça. Et je jouais en mode hors ligne parce que je trouvais ça très moche, les marques au sol, où t'avais des indications des autres joueurs. Et puis en plus il y avait beaucoup de trolls, même si ça peut être très drôle. Mais ouais, au niveau du décor, le jeu est tellement beau que c'était un peu chiant d'avoir constamment des grosses marques au sol de joueurs, enfin d'indices et tout. Et du coup, mais par contre, j'hésitais pas à lire à 100% le chat, je voulais pas du spoil, je voulais pas qu'on me dise « Ah là, tu vas avoir un boss de ouf, il faudra le battre comme ça » et tout ça, non. Mais par contre, le backseat, me dire par où il faut aller ou...
ou m'indiquer que là, je risque de manquer un gros pan de l'histoire si je parle pas à ce PNJ maintenant. Et bah ouais, c'était bien. On peut vraiment coincer longtemps. Ah d'accord, et finir très énervé. Ah ouais, t'as eu ça comme expérience? Alors qu'au global, il est vraiment bien. J'ai eu que des très bons retours, voire des retours de gens qui sont uber van. Vital signs stabilizing. Et je vais manger un truc. On en terre plein, mais je viens de boire. Ah oui, mais c'est parce que ça prend deux places, c'est vrai. Je pose. Ici c'était quoi? Ah oui, des trucs comme ça. Bah je vais rien ranger là. Ici c'était quoi? C'était du métal. Lithium aussi, magnétite je pense. Je vais mettre là. Là c'est des trucs un peu cristaux. Oh le distel, j'en ai pas mal. Et j'ai plus de place. Ah c'est le titane et j'ai plus de place. Je vais me faire un petit lingot. De toute façon, il va m'en falloir, c'est sûr. Oui, voilà. T'as trouvé tous les modules du tracteur? Ou pas encore? Je sais pas combien on a. Ça va, petit Madouk? J'ai un skit fort dessus, j'ai insisté juste parce que tout le monde disait qu'il était incroyable et que je voulais comprendre pourquoi. Du coup j'ai compris, mais il m'a vraiment saoulé. Tout le monde? Bah toi t'es toujours modéré dans ta manière de parler du jeu, mais mais tu m'as dit qu'il était bien et que tu m'as conseillé de le faire. Mais bon, effectivement, Gaël c'est pas la personne qui va te dire « Oh mais c'est incroyablement fantastique, il faut absolument que tu le fasses !» C'est pas le genre de personne qui te survend quelque chose. Ce qui est mieux, hein. Quand on survend, à chaque fois, je suis déçue, moi. Donc, me survendez rien. Tu as pas fini, toi, donc ça compte pas. Ah, tu l'as pas fini? Ah, il t'a saoulé, alors? J'ai mis des modules. Je sais pas combien il y en a. Je sais pas non plus. Ouais, moi, je me ferais backseat, hein, pas de soucis. Bah, de toute façon, si je le fais en live, voilà. Je veux totalement bien me faire backseat, sinon je préférerais le faire hors live celui-là. Mais je sais que j'en profiterai probablement très bien si les gens y m'aident. Bah non, déjà le module de stockage j'en ai qu'un sur trois. Pourtant je l'ai trouvé il y a longtemps je crois. Enfin, il y a longtemps. Bah, j'ai 10 heures sur le jeu donc il y a longtemps c'est un peu... Module aquarium! Ouais mais le module aquarium c'est pour bouffer. Dommage. C'est incroyablement fantastique, t'es live pourtant. Je vais faire une fenêtre moi ici. Une autre parce que ça me frustre. Les plantes vont gêner. Bah voilà, je suis frustrée. Super. 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 Si je faisais ça ici, ce serait bien. Un souvenir ultra positif, mais vraiment j'ai ragé. Par contre, le DLC a effacé tout ce qui m'a saoulé. Ok. Si le genre te saoule, le jeu va te saouler. Mais ouais, mais c'est un genre où t'as pas trop de jeux dans le genre, si. Si le concept quoi te saoule. Le stockage de lentilles. Oh, nice. On n'est pas plus pour le moment. Bah, je pense que... Amarrage de l'aquatracteur. Fabrication de l'aquatracteur. Fabrication. Tu as un module de stockage pour le prone, j'en suis sûre. Ça me paraît obligatoire. Donc je pense qu'il y a au moins un module qu'on n'a pas trouvé encore. Ça se voit comme un jeu d'enquête en gros. Ok. Je verrai. De toute façon, je le ferai, je pense, cette année. Il y a pas mal de chances. Faut que mon perso bouffe et faut que je me refasse du stockage. Une armoire. Quoi? Ouais mais les armoires... Je vais les faire là-haut.
peut les faire là-haut. Avec des trucs pas forcément dont j'ai besoin beaucoup. Recyclotron, on recycle les objets en leur élément de base. D'accord. Ok. C'est pas mal de pouvoir reverse un peu le... Ouais, c'est pas mal. C'est pas là mon titane, c'est là bordel. Beaucoup ont eu un effet waouh. Avec Outer Wilds, ok. Ouais, je comprends, je comprends. Voilà, je peux le mettre là-haut. Parce que c'est pas des trucs que je vais utiliser beaucoup, beaucoup. Et ici... Bon, je peux laisser, hein, pour le moment. Et là, faudrait que je plante des trucs... Ah oui, c'est vrai, fallait que je me fabrique... Ouais, mais est-ce que... Attendez, je pouvais me fabriquer des palmes. Qui me permet de recharger les piles pendant que j'avance. Ce qui peut être bien. Mais après, je nage assez peu, finalement. Donc je sais pas si c'est très utile. Sachant que mes palmes que j'ai vont un peu plus vite que les palmes de base. Est-ce que celles-là, elles vont un peu plus vite? Et en plus, elles permettent d'avoir... Quoique non, en fait. Je sais pas. Augmente, voilà, la vitesse de nage de 15%. Est-ce que ces palmes-là, elles ont le bonus de 15% plus ça? Je sais pas. Le MK3, je vais pouvoir le faire! Oh, je vais pouvoir déjà aller plus profond! Non, c'est pas vrai, j'ai pas de nickel. J'en ai pas assez. J'en ai que deux. Merde! Oh, j'en ai que deux! Ah, c'est con, je m'en rappelle plus. Bah, c'est là d'où je viens, j'aurais pu essayer d'en trouver d'autres. J'avais plus d'inventaire. J'aimerais beaucoup du stockage. Mais c'est qu'il faut un module de stockage. Ça saoule. Bon. Déjà, je vais faire ça. Et je vais changer mes piles. Pas beaucoup grand chose usé, mais bon, bah je vais changer toutes les piles que j'ai. Et puis voilà. Ok, je fais un petit save ici. Je pense que je vais faire un peu de construction dans la base, donc je vais peut-être couper la VOD, j'en referai une quand je repartirai en explo. À moins que j'aille... Ah, je vais peut-être... Attendez. J'ai encore un artefact qui est pas très loin, je vais aller le chercher, je pense. Ouais, je vais aller le chercher. Je ferai de la construction après, comme ça, si je débloque des nouveaux plans, je pourrais vraiment avancer. À partir de 3 modules, c'est ça, Kato? On a 3 tracteurs, perd de la puissance, il va moins vite. Oh, ok. Ah oui, il y a le gros trou. Oh, le gros trou, je peux y aller aussi. Comme ça, je vois si je trouve du nickel. Ce serait bien. Qu'il n'y ait plus de holly. Ah, mais attendez, ça, c'est pas un endroit chiant où je vais avoir froid, ça?
Ce sera nickel. Exactement. Tu as une amélioration du tracteur pour qu'il perde moins de puissance. C'est... Ouais, les modules, je les utilise... Enfin, je les utilisais vraiment que quand j'étais un peu obligée. Comme le cyclope dans le premier Subnautica. Parce que, encore une fois, j'aime trop la mobilité du truc. Turbo la flemme. Déjà, je me cogne déjà un peu partout. Ah oui, j'aime trop vous. Vous, j'aime trop vous. Pardon, j'en ai laté une. Désolé, j'espère que je l'ai pas tué. Je vous aime quand même trop. Mais oui, on arrive vers l'île. Mais oui, il y a un pont aussi à réparer. Mais oui. Bah, je vais déjà à l'artefact. Ouais, c'est là-bas. Je vais m'allonger. Bonne nuit pour ceux qui s'endorment. Des bisous. Radio Logs. Je sais pas si je suis la mieux placée pour faire la radio après. Y'a quoi là-bas? Faut que j'aille à pied? J'aime pas. Des bisous mon lurk. Ah, ça fait mal aux yeux. C'est vrai que je pourrais ramasser des boules de neige. C'est là-bas. Ouais, je suis vraiment à côté. Voilà, c'est ce pont-là qu'il faut que je répare. Mais pour le moment, il m'a pas proposé de plan où j'ai rien pu scanner. Le leur cache kiss. Des bisous. Et bon dodo. Oh wow. Il y a un endroit où nous pourrons trouver un composant essentiel pour mon corps. L'image est floue mais correcte. La flèche incurvée s'étirant vers le ciel. Oula, j'ai pas tout lu, faudrait que je relise. Bon, c'est cool, je trouve du cube. Merci de me montrer ton cube. Mais Mais je suis étonnée d'avoir un autre à scanner dans une zone comme ça. Bon, après les zones artefacts, il n'y a pas 1000 trucs à scanner à chaque fois. Un jaguar, il y a vrai, c'est vrai. On est limité. Mais casse ! Le perso, quand il saute, il rebondit assez facilement sur la moindre petite boss qu'il va avoir en face de lui. Arrête Bref, fais des trucs. Oh, est-ce que t'as des genoux, meuf? Est-ce que t'as des genoux? Tu peux te servir de tes genoux? Il y a eu une explosion d'un truc. Ah, il y a des geysers. Ça va me permettre de contrôler un peu la température. Du cuivre. Non mais je prends de la neige au lieu de prendre du cuivre, regardez ça. Surtout que même quand je les envoie, ça fait pas grand chose. Ça tue pas un Léviathan, ça. Je vais voir... Ah ouais, une petite grotte, ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il est stalactite. Oui, c'est vrai. Stalactite. Là, je commence à cailler, par contre. Ici, ça va, normalement. Ouais, c'est bon. On
je sais pas si vraiment une petite grotte comme ça c'est censé réchauffer, mais ça marche, c'est essentiel. Alors oui, je vois... Oh, c'est marrant, regardez, on voit la méduse. Je vois où je suis, mais... Je crois que j'avais essayé d'explorer par là, et que... Ça me semble. Et j'avais trop froid, il y avait vraiment rien pour moi chauffer. Sauf sauter dans l'eau, mais une fois que tu sautes dans l'eau, ici, tu peux pas remonter, t'as trop de hauteur. Je m'éloigne tellement, ça va être lourd. Bon, ça va, j'ai mon petit Siglide. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Météo dangereuse, bah c'est rien de nouveau là pour le coup, hein. Ah, il y a encore plus froid. Mais... Ah, dans l'eau ça va vachement mieux. T'as froid? Plonge dans l'eau glacée, ça va te réchauffer, oui. Ça a toujours été le petit paradoxe dans celui-là. T'as moins froid dans l'eau qu'à l'extérieur. D'accord, je suis beaucoup trop loin. 500 mètres, vas-y. Vas-y, mais garde trop loin. Oui, c'est super logique. Pourquoi on n'y pense pas finalement? Coucou, c'est qui? C'est Silence, salut Silence. Waouh. J'aime trop ces bébés. Elles sont trop bien. Ou je vous aime trop. Enfin, je préfère celles encore qui ont tout plein de conneries dans leur tête. J'aime trop. Ça me fait mal leur bout de patte dans la tronche. Oui. J'expérimente. Je suis une aventurière du gaming. C'est du cuivre. C'est cool ça. Ah ouais, les petits... Oh putain, il y a plein de cuivre ici. Quoi qu'on en a beaucoup moins besoin dans... Enfin, je trouve. Dans cette version-là, dans ce Subnautica-là. Mais je prends quand même. Je prends pas tout, je pourrais pas les stocker. Non, casse pas mon vaisseau, s'il te plaît. Comment les humains gèrent-ils la perte de leur mémoire? D'ailleurs, ils oublient l'anniversaire de quelqu'un? Vous mourrez, certaines quantités de connaissances sont perdues à tout jamais pour la génération suivante, n'est-ce pas? If you call humanity inefficient one more time, qu'on a inventé les livres. Both into the mouth of a leviathan. Arrête de te vexer, toi. I am still having trouble differentiating. How inefficient. Efficiency aside, does the loss of knowledge. Perte de connaissances ne peut-elle ne rend-elle pas la vie plus compliquée? Level, losing someone can be traumatic. Parce quelqu'un peut être traumatisant et difficile d'analyser la question des connaissances générationnelles. Humans aren't networked, so. We can't even be aware of what we're losing at the moment. We try to learn from history. Maybe it's not ideal, but on essaie de tirer des enseignements de l'histoire. Que se passe-t-il quand vous ne disposez plus des souvenirs des autres pour les combiner aux vôtres? On crée nos propres souvenirs et interprétations. You have to experience life as an autonomous being. Discover yourself. That idea is foreign to me. Cette conception m'est étrangère, merci. Fin du débat. Quoi? Pourquoi je vais là, moi? J'ai pas besoin d'aller là, faut que j'entre à la maison. Gros trou. Bah en fait, je suis pas obligée d'entrer à la maison, je vais dans le gros trou d'abord. Salut Maureen. Maureen.
Si l'eau est glacée à moins 10 alors qu'il fait moins 50. Oui, c'est vrai que si elle est sous forme liquide, déjà, c'est qu'elle est quand même... Enfin, si c'est de l'eau classique, bien sûr. C'est qu'elle est quand même pas moins froide que là où c'est tout glacé, finalement. Très juste, très juste. Qu'est-ce que je vois là-bas? Ah, c'est parce que j'arrive vers la planète. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans le gros trou, j'avais dit. Il est où? Il est là. Salut, le boss des EDFR. C'est de l'eau qui mouille, semblerait-il. De l'eau plutôt humide, finalement. Voilà. Ça, j'avais pu un peu explorer, mais pas beaucoup. Ah, mais il y a un léviathan ici, je crois. Ah non, il y a lui qui fait chier, c'est vrai. Ah, mais je peux pas passer avec mon sous-marin. C'était ça aussi le problème. Mais maintenant, j'ai un peu plus d'autonomie. J'ai appris. Je suis devenue adulte. Est-ce qu'à 30 ans, on se sent adulte? Parce que moi, non. Hein. Mais c'est peut-être que moi. À partir de quel âge on se sent vraiment adulte? Non. Oh, du robinet. Hein? Non. D'accord, ça me rassure. Je sais pas à partir de quel âge on se sent adulte. On se dit, tiens, là, je suis mûre et mature. Ouais, des gens que je connais, plus jeunes ou plus vieux que moi, clairement, c'est des adultes. Ça, c'est clair. Ils ont trop des bails d'adultes. Pour l'instant, j'ai que 41. Mais oui, c'est ça, hein. Même à 40 balais, en fait, hein, on se sent pas adulte. J'ai l'impression que par rapport à mes parents, je mets beaucoup plus de temps à atteindre ce cap-là. Je me demandais si c'était que moi. Toujours pas. Ok, ok, non mais c'est bien. C'est peut-être un cap, tu vois. Une fois pendant une heure, je me suis sentie adulte, puis j'ai arrêté. Des fois, il y a des trucs qui te font un peu sentir adulte. Genre quand t'as enfin ton permis, des trucs comme ça, quand t'atteins des caps. Peut-être quand t'as ton premier gosse. Et encore, pas sûr. Quand t'as des responsabilités dans une activité. Activité. Mais après, c'est pas forcément tout le temps, ouais. Maturité, c'est un truc de vieux, c'est bien vrai, ça. 41, je fais toujours tant de... C'est ça, toujours tant de conneries qu'enfant. Franchement, quand je vois les courses que je fais, je me trouve pas adulte. Hein. J'essaye. Quand je vois comment j'occupe mes journées, je me trouve pas adulte. Quand je vois mes priorités dans la vie, je me trouve pas adulte. C'est super Twitch. C'est de bonnes décisions d'adulte, ça, tiens. Trop bien. Quand tu payes ton loyer. Quand t'as découvert, là. Ça, c'est... C'est bien adulte, ça. Grâce à cet effet, je suis toujours capable de suivre les empreintes laissées par les miens qui ont vécu pendant... un moment. Leur présence à menuise. New technology acquired. Pilionique. Oh cool. C'est bien ça. Bien ça. C'est pas mal ça. Je trouve des artefacts sans même que Alan m'en parle. Est-ce qu'il va m'en indiquer à certains moments que j'aurais déjà trouvé? Ça va me trigger s'il le fait. J'ai encore des Kinder Surprise. Je crois que je suis pas adulte non plus. J'avoue. Cette année, ça faisait longtemps. Franchement, c'est la première fois que je m'achète pas un Kinder Surprise Maxi là. Pour Noël. Pour Noël. Pas du tout Noël. Pour Pâques. Les gros œufs Kinder. Mais c'est surtout parce que c'est turbo cher maintenant. C'était déjà cher avant, mais. Avec, je sais pas, les matières premières et certains trucs, le laitage et tout. Le prix, mais a explosé. Genre, l'œuf, il est à 20 balles, c'est n'importe quoi.
donc je m'achète d'autres Kinder. C'est pas plus adulte. C'est un peu une décision d'adulte quand même de dire tiens, non, je me ferai pas enfler. Là, j'ai décidé que non. Peut-être ça être adulte finalement. C'est choisir le bon Kinder. Ah ouais, je vais. Attends, Kato, il faut que je remonte pour respirer. Je vais remonter pour respirer. La société m'oblige à adulter en payant des factures. C'est vrai. Et enfin, les formulaires B428. Autrement, laissez-moi dans ma bulle par pitié. Les courses, c'est catastrophique. Je dis, j'abuse, mais j'essaie de faire mieux. Moi, franchement, aussi, pareil. Je sais que ça pourrait être encore mieux, mais j'essaye de faire mieux. C'était ton anniversaire, Silence ? Ou c'était pour troll ? Sinon, tu vas avoir droit à un petit indien. Pas du tout à gérer mon budget, ça dépasse tout le temps. Enfin, je dois vivre avec moins de 500 balles par mois. Oui, là, c'est pas question d'être adulte ou pas, c'est question que la vie est turbo chère et ce que tu gagnes, c'est tellement pas assez. Et t'es obligé de sacrifier des trucs pour avoir d'autres trucs et que le moindre plaisir, tu le payes parce que oui, se faire plaisir, ça coûte tout le temps des thunes, mais c'est important. De se faire un petit peu plaisir quand même, d'avoir le droit à un peu de, je sais pas, un peu des trucs bons. 48 ans! Let's go! Je vais pas le mettre trop longtemps pour pas trop vous réveiller, mais c'est l'anniversaire de Silence! Du coup, on fête l'anniversaire de Silence! Bon anniversaire, le petit Silence! Bon anniversaire, c'est un adulte! Bon anniversaire au petit Silence sur la Love TV. Bon anniversaire les petits cobos sur la Love TV. Pour les bougies sur le grand gâteau. Laissons faire la magie, c'est bien des cadeaux. Ah, j'ai plus qu'un truc. Quoi? Ça s'enchaîne les anniversaires, mais oui. J'ai dit ce mois-ci, à partir du mois de juin, un peu mai. Mais vraiment, à partir du mois de juin, il y en a pas mal. Et là, c'est vrai que ce week-end, on en a encore cette semaine. C'est cool! Qu'est-ce que tu veux que pas? Ici, c'est bien, mais on s'aime bien. Ouais! Bon anniversaire, petit Silence! Ouais, les 50 ans, c'est un cap, mais bon... Je sais pas, quand je vois les cinquantenaires de maintenant, autant quand... je sais pas... Quand j'avais l'image, quand j'étais plus jeune, des adultes qu'on voyait à la télé et tout... Et maintenant que je vois les images des adultes sur Internet... Et ben ça relativise vachement quand même. Mais je l'ai déjà pris celui-là. Et du coup ça, ah ouais, let's go. L'amélioration, bien joué Catholice, merci de m'avoir dit de revenir, tu as très bien fait. 96. Alors que j'aille me trouver un peu d'oxygène, je vais avancer un tout petit peu et puis sinon je me casse. J'ai jusqu'au point vert, oh j'ai envie d'éternuer. Lampe frontale, trop bien ça. Mode de communication. Il y a vraiment rien pour respirer, si ça va. Mais disais, ça m'étonnait. Bah ici, il va falloir forer un max.
Alors je reviens dans prone. Pour ça qu'on peut pas passer avec le truc. C'est parce que le but c'est que tu passes en prone. Bon, je me barre. Les quinquas en 2024 ils font du breakdance. Bon. Tu dépassais le breakdance. Les quinquas en 2024. Ils font des vlogs ASMR. Ils font des danses TikTok. À tes soins, merci. Fun time, fun time. Ouais, il me saoule le prône, il fait trop de bruit en fait. Je sais pas s'il y a moyen de baisser que lui parce que je veux pas baisser les autres bruitages. C'est ça qui me saoule. Mais il fait un boucan le machin. Sur l'habitat, on se voit peut-être pas besoin, ça va. Merci. Ouais, ouais, c'est complètement ça. On va. Et là, alors, c'est quoi qu'il me faut? C'est vraiment. Ah, mais le découpeur laser, je l'ai sur moi! J'ai pas lu tout à l'heure. Non mais, ne regarde pas pendant 5 minutes, je t'en supplie. Allez. Quoi? Occupe la batterie. Oh, bah c'est cool. Mais ça valait pas le coup de risquer de mourir pour ça. Oh, t'as trouvé un cadeau? Ah, d'accord, il trouve des cadeaux et il est mort. Il est complètement fou. La réaction. Warning. La tectonique. 30 seconds of oxygen remaining. Possiblement parce que c'est de leur génération. Non, pas tout à fait. La tectonique, c'est vraiment passager comme le hand spinner ou ça reviendra? Le fait d'en avoir vu au JO, ça me fait dire que ça reviendra. Mais ça n'a pas été célèbre pendant très longtemps aussi. On a parlé pendant quoi, un an? Ou c'est la sensation que j'ai? Eh mais si, j'avais le découpeur laser, mais j'avais Mais j'avais... En fait, je sais pas pourquoi, moi, le coffre, j'étais persuadée qu'il me fallait une sorte de clé pour l'ouvrir, parce que réflexe d'autres jeux vidéo. Bon, eh ben... Petit explo, hein, on va pouvoir faire le pro, améliorer un peu la base. Et je vais rentrer. Et puis c'est tout. La calvitie, c'est pas obligatoire. Effectivement. Mais c'est cool. Tant mieux pour toi, Slime. Un truc bien commercial, ça a vendu des t-shirts et des CD. Comme tous les trucs à la mode, ça. Évidemment, évidemment. Bah, y a des femmes qui ont de la calvitie. C'est juste plus rare. Alors, je crois que ça importe un autre nom quand c'est les femmes. La pelade, quelque chose comme ça. Non, la pelade, c'est autre chose. Oh, je sais plus. Mais il y a des femmes qui perdent leurs cheveux aussi. C'est juste beaucoup. Je me mets à leur dodo. Bon dodo. Et bon lurk. Bon bah, let's go. Là, je pense que je vais arrêter la VOD parce que ça va être là, du crafting et tout, et du farming. Ça va peut-être pas être très très passionnant. Et je reprendrai la VOD une prochaine ou tout à l'heure, mais je pense que ce sera plus une prochaine quand on avancera de nouveau la quête principale. Divise de la VOD, hein. Voilà, on se dit ça.